Yes! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de ce livre que je viens de terminer. Donc, je le critique à chaud. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Un livre écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Ce sont deux psychologues sociaux et universitaires français. Comme d'habitude, on va résumer rapidement ce livre-là. On va parler du contenu, savoir s'il est facile à lire ou pas, qu'est-ce qu'on va y trouver. Ensuite, je vais vous le décrire en trois mots, puis je vais vous dire la technique que j'en ai retenue, une technique pratique. Vous le savez, quand on lit des livres, c'est pour en retirer des choses. Et donc, à chaque fois, je vous donne une petite technique à retirer du livre. En fait, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens est en fait un condensé des recherches qui ont eu lieu ces 40-50 dernières années en psychologie sociale et sur la manipulation pour amener des gens à faire ce que l'on désire dans un livre. C'est un livre qui est quand même assez long à lire, il a 300 pages, mais ce sont 300 pages vraiment denses et j'ai mis 12 jours à le lire, 12 fois 30 minutes, donc en gros 6 heures. À le lire en lecture semi-rapide. J'ai pas vraiment réussi à faire de la lecture rapide parce qu'il y a énormément d'informations. C'est à quel point il est dense. Maintenant, si je dois résumer ce livre en trois mots, le premier serait illustré. Le livre est super illustré parce que toutes les recherches qui y sont traitées sont toutes des recherches de psychologie sociale, donc des recherches où on met des gens dans des situations un peu exotiques ou non, hein, mais ce sont des gens mis dans des situations, donc on nous décrit ces situations, on nous décrit ce qui se passe. On nous décrit également la situation de Madame O, c'est le personnage fil rouge du livre, un personnage de fiction qui habite en Dalmatie, donc c'est un pays qui n'existe pas. Hein. C'est super intéressant, c'est même drôle à certains passages. C'est très très bien illustré, on reconnaît des situations dans lesquelles on peut très bien s'identifier. Et c'est vraiment super intéressant que ce soit à ce point-là illustré parce que ça permet vraiment de comprendre comment les gens ont été mis dans certaines situations et de comprendre leurs réactions et de comprendre ensuite les mécanismes qui les ont poussés à prendre telle ou telle décision et savoir quelle est donc la manipulation qui se cache derrière. Le deuxième mot qui décrirait ce livre pour moi, c'est broderie. C'est pas tant les illustrations qui allongent le propos, ce sont également aussi les propos eux-mêmes des auteurs qui partent des fois dans des digressions, ce sont des situations un peu à rallonge qui sont décrites parfois, qui fait qu'on aurait pu facilement réduire ce livre, je pense, d'une bonne cinquantaine de pages. Ça aurait été un petit peu plus punchy, un peu plus direct, sachant que notamment les techniques de manipulation dont il parle, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément. D'ailleurs, je vais vous en citer quelques-unes, histoire que vous fassiez une idée du nom de ces techniques qui sont assez rigolos. Donc on a le pied dans la porte, la porte au nez, le pied dans la bouche, on a également le pied dans le cerveau. Enfin bref, on met des pieds partout. Il n'y a pas énormément de techniques de manipulation, mais ça met quand même 300 pages. Donc, c'est un petit peu longué pour moi et c'est dommage. Ensuite, le dernier mot que je vais utiliser, le troisième mot, ça va être couteau. Ce livre, vous pouvez l'utiliser comme un couteau, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser aussi bien pour faire du bien que pour faire du mal. C'est souvent ce qu'on dit d'un couteau, il peut soit sauver des vies, soit l'enlever. C'est exactement ça. Ce livre-là vous permet à la fois de sauver votre propre vie parce que vous allez pouvoir détecter les techniques de manipulation et vous en défaire. Mais si vos intentions ne sont pas honnêtes et si vous voulez vraiment faire peut-être pas n'importe quoi, mais si vous voulez faciliter le fait que des personnes fassent des choses pour vous, c'est un livre qui peut vous servir et si vous avez des intentions mauvaises, ça peut être préjudiciable. Après, les auteurs, ils en parlent dans la conclusion du livre. Ils disent de toute façon que les gens qui ont des mauvaises intentions savent déjà comment s'y prendre pour manipuler les autres. Sur ce point, je suis assez d'accord avec eux parce que d'ailleurs, les techniques qu'ils énoncent en ce qui concerne des manipulations qui vous poussent à faire des choses un peu borderline, ça existe déjà. Ils n'ont pas attendu l'apparition de ce livre-là. Donc, on va plutôt axer sur le fait que c'est un livre qui va vous sauver la vie parce qu'il va vous permettre de détecter les techniques de manipulation et vous en sortir. Et ça, c'est top. Maintenant, quelle est la technique que j'ai retenue de ce livre-là ? Eh bien, je n'ai pas eu à chercher bien loin parce que ce sont les auteurs eux-mêmes qui la donnent à la fin du livre et j'étais assez d'accord avec eux. La technique est de ne pas hésiter à revenir sur vos décisions. Ne jamais hésiter à revenir sur vos décisions, prendre du recul et savoir si vous voulez rester engagé dans cette décision ou pas. Super important parce que le début du livre vous explique justement le principe de l'engagement. Il nous explique que souvent, on est engagé dans des processus parce que nous, les humains, on a tendance à être cohérents. C'est-à-dire que quand on prend une décision, on a tendance à continuer à suivre
cette décision, même si les conséquences derrière ne nous amènent pas les résultats escomptés, même si parfois même ça part à la catastrophe. C'est encore pire quand vous avez eu le sentiment de prendre cette décision en toute liberté. Et c'est justement le cas en démocratie, en France, et là encore les auteurs ils en parlent à la fin du livre, on fait un espèce de mini débat philosophique sur la liberté, le fait que plus vous êtes libre de prendre une décision, plus celle-ci vous engage. Et donc, faites attention quand vous prenez une décision parce que ça peut vous mener assez loin. Ça peut vous mener dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas envie d'être et il ne faut pas hésiter à dire non. Il ne faut pas hésiter à dire non une fois que vous avez dit oui une première fois. Personne ne vous en voudra. Faites ce qui est mieux pour vous. Prenez du recul, réfléchissez. N'hésitez pas à revenir sur votre décision pour ne pas tomber dans des pièges à la con. Écoutez, ouais. C'est déjà la fin de la critique de ce livre-là. Personnellement, je trouve que c'est un livre qu'il faut avoir lu, mais ce n'est pas non plus un livre à mettre dans ses top priorités. Donc, mettez-le vers le milieu de votre liste. Ce n'est pas un livre sur lequel il faut se jeter, c'est un livre qu'il faut avoir dans votre liste et qu'il faut avoir lu à un moment. Comme d'habitude, avec ces vidéos, je vous mets le lien dans la description pour acheter ce livre sur Amazon. Comme d'habitude, je vais être honnête avec vous, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien-là, ça ne vous coûtera pas plus cher, rien du tout. Par contre, moi, ça va me reverser une petite commission. Et donc, si vous voulez soutenir mon travail et si vous voulez me remercier pour la vidéo que vous avez lue ou pour tout le contenu que je produis sur YouTube, Instagram, vous pouvez passer par ce lien et ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous lisez le livre, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours. J'ai hâte de les connaître. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Ça me ferait également super plaisir. Aussi, je vous rappelle que j'ai un compte Instagram où je suis super actif et je produis du contenu tous les jours en story et en feed. Si vous voulez suivre mes aventures et comprendre ce que je raconte par réveil matinal, vie maximale, concrètement au quotidien, je vous invite à venir me voir sur Instagram. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusque-là et je vous dis à la prochaine. Salut !